Le 15 avril 1989 en Chine, la mort de Hu Yaobang, ancien secrétaire général du Parti communiste et partisan de réformes de démocratisation, déclenche une vague de manifestations de masse dans toute la Chine. Pendant plus d'un mois, le pays est secoué de troubles graves, avant que la ligne dure du parti ne fasse intervenir l'armée pour écraser le mouvement. Un jeune Chinois, seul sur la place Tiananmen, debout et désarmé, se tient face à une colonne de chars, tentant par sa seule présence pacifique de les empêcher d'avancer. Cette image incroyable, désormais mondialement connue, illustre parfaitement les événements du printemps de Pékin en 1989. Un peuple, avide de liberté, face à la dictature communiste chinoise qui opprime le pays depuis plus de 40 ans. Mais pour bien comprendre tout ce qui s'est passé, revivons étape par étape tous ces événements. La Chine, État impérial souverain depuis plus de 20 siècles, devient une république indépendante en 1912. En 1926, elle bascule dans la guerre civile qui oppose les communistes de Mao Tse-tung aux nationalistes de Chiang Kai-shek pour la prise du pouvoir. Le conflit entre nationalistes et communistes est venu rajouter une nouvelle guerre civile. Il y en avait déjà plusieurs en cours entre les seigneurs de la guerre, divers et variés, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et la guerre entre communistes et nationalistes a été une guerre civile supplémentaire à l'intérieur, dans un contexte où qui en connaissait déjà plusieurs. Le 18 septembre 1931, sous un faux prétexte, le Japon envahit la Mandchourie. Il y restera jusqu'à la fin de la guerre, installant un gouvernement fantoche, le Manchukuo. Les deux factions chinoises s'unissent alors momentanément dans le combat contre l'envahisseur japonais. Fin 1945, après la capitulation, les forces armées japonaises évacuent la Mandchourie. Les combats reprennent alors entre les forces chinoises des deux camps opposés. Peu à peu, les communistes de Mao Tse-tung prennent l'ascendant sur les nationalistes et le 1er octobre 1949, la République populaire communiste de Chine est proclamée. Mao Tse-tung en devient le premier président. Dans les années 50, la Chine fait face à plusieurs crises importantes. La guerre de Corée commence en 1950 et dure 3 ans jusqu'en 1953. En 1951, l'armée chinoise envahit le Tibet. À la fin des années 50, Pékin, désapprouvant la politique de déstalinisation de Nikita Khrouchtchev, les relations avec Moscou se dégradent. Mao Tse-tung décide alors de suivre la voie d'un communisme dur. En 1956, quand le rapport Khrouchtchev a ébranlé complètement l'édifice stalinien et Khrouchtchev a remis en cause le culte de la personnalité, c'est là que la rupture entre l'Union soviétique et la Chine s'est produite, parce que la dernière chose à laquelle Mao voulait renoncer, c'était le culte de la personnalité. En 1958, Mao lance le grand bond en avant. Impliquant toute la population et renforcée par la propagande, cette politique économique a pour but d'augmenter la productivité industrielle et agricole. Elle s'appuie sur la collectivisation agricole, l'élargissement des infrastructures industrielles, la réalisation de grands travaux publics.
les paysans qui jusqu'alors avaient été encouragés à se mettre en production de collectivisée, disons coopérative, ont été encouragés à passer au stade suivant, qui était la commune populaire. Et là, la commune populaire devenait une forme de stalag, hein, où tout le monde marchait au pas. Les décisions étaient prises par le parti, les gens renonçaient à une production individuelle. Or, pour un paysan, renoncer à la production individuelle, ça n'a plus de sens. Fiasco total, cette politique est abandonnée début 1960. Les conséquences sont dramatiques et ne seront véritablement connues qu'à partir des années 80. L'économie chinoise manque de peu de s'effondrer totalement. Mais surtout, une grande famine sévit entre 1958 et 1962. Les estimations varient, mais elle aurait entraîné la mort de 20 à 40 millions de personnes. En 1966, de plus en plus contesté par les modérés du parti, il lance la révolution culturelle. La révolution culturelle de Mao Tse-tung, elle se comprend principalement comme une gigantesque manœuvre de reconquête du pouvoir par Mao, pouvoir qu'il a, bon, perdu en grande partie parce qu'il a été mis un peu sur la touche après l'abominable désastre qu'il a créé du grand bond en avant, qui a fait donc aux alentours de 35 millions de morts de famine en Chine, et à la suite de quoi la haute direction, ses pairs du Parti communiste chinois, lui ont suggéré de s'occuper plus de poésie et de philosophie que des affaires de l'État. En s'appuyant sur la ligne conservatrice du parti et les jeunes gardes rouges récemment créés, il décapite l'opposition interne et redevient le chef incontesté du pays, celui qui sera bientôt surnommé le grand timonier. C'est la propagande qui l'a habillé de ce surnom. Et il y avait même, d'ailleurs, je peux vous réciter un chant de la Révolution culturelle qui était pour naviguer en haute mer, il faut un timonier. Le 9 septembre 1976, la mort de Mao Tse-tung génère une longue période d'instabilité gouvernementale qui ne prend fin qu'en juillet 1977 avec le retour au pouvoir de Deng Xiaoping. Avec une population de plus de 1,3 milliard d'habitants, la première du monde, et une superficie de presque 10 millions de kilomètres carrés, la troisième du monde, la Chine est un géant mondial. La situation économique à la fin des années 80 y est pourtant catastrophique. C'est un pays où la corruption étatique est poussée à son paroxysme. Un très petit nombre de personnes tiennent les rênes du pouvoir, tandis qu'une grande partie de la population vit à la limite du seuil de pauvreté. On ne connaît pas de pays qui se soit développé rapidement, comme la Chine se développait dans les années 80, sans s'appuyer sur la corruption. La France de Louis-Napoléon Bonaparte est corrompue jusqu'à l'os, vous comprenez? Et ça peut se comprendre. Quand vous passez d'un système administratif et économique à un autre système, il faut bien mettre de l'huile dans les rouages. C'est ce qui se passe. Et puis ensuite, ça s'arrange. En tout cas, ce slogan a été l'un des plus importants de la révolte de 1989. L'industrie et l'agriculture ont beaucoup souffert des tentatives anarchiques de rationalisation du grand bond en avant. L'économie communiste chinoise, quasiment autarcique, est très en retard sur les standards capitalistes des grands pays industrialisés. Le chômage augmente chaque jour. Une inflation forte est de plus une composante aggravante du problème économique chinois. De 58 à 61, on estime qu'il y aurait eu entre 40 et 50 millions de morts de faim à cause du grand bond en avant, une des idées géniales de Mao. Et ensuite, de 1966 à 76, ça a été la révolution culturelle, un chaos généralisé dans le pays et une perte de temps colossale. C'est-à-dire que de 66 à 76, la Chine n'a pas envoyé ses enfants à l'école, n'a pas formé la relève, a persécuté les intellectuels, a négligé la production, a négligé la recherche. Des réformes sont nécessaires, impératives, pour tirer la Chine d'un état économique quasi médiéval. «
Au milieu des années 80, Deng Xiaoping refuse le socialisme intégral et prône un socialisme différent pour chaque pays. Il souhaite engager une politique de réforme et commence à prôner une plus grande libéralisation. C'est quelqu'un qui a une conscience réelle de la relation qui existe entre le pouvoir économique, l'importance de la puissance économique et de la puissance politique. Introduite en 1975 par Zhou Enlai, les quatre modernisations sont mises en place fin 1978 par Deng Xiaoping, qui prend alors la tête du parti. Elles concernent les domaines suivants: agriculture, industrie et commerce, sciences et technologies, défense nationale. Visant à faire de la Chine une grande puissance économique et à améliorer le niveau de vie des Chinois, les quatre modernisations n'accroissent pas les libertés individuelles. En réaction, le dissident Wang Jinseng affiche un manifeste réclamant la cinquième modernisation, soit plus de démocratie. Deng Xiaoping a eu l'intuition que la réforme devait d'abord passer par la campagne, donc il a commencé par, comme on disait à l'époque, libérer la production rurale. Et il a proposé aux paysans une forme de contrat. Vous produisez des céréales et nous vous garantissons l'achat d'une certaine quantité. Et le reste, vous le mettez sur le marché. Donc il a comme ça déclenché à nouveau une économie de marché qui avait disparu de la Chine pendant 30 ans. Et ce n'est qu'en 1984 qu'il a commencé à desserrer l'étau dans le domaine de l'industrie. Le 22 mai 1988, dans un grand discours, il déclare que le maoïsme est responsable de 20 ans de grandes souffrances. Mais les dirigeants du Parti communiste chinois s'accrochent encore à leurs prérogatives et refusent de faire évoluer la situation. La ligne dure du parti, très conservatrice, représentée par le premier ministre Li Peng, s'oppose alors à Deng Xiaoping et à Zhao Ziyang dans toutes leurs tentatives de démocratisation du pays. C'est donc à l'hiver 1986-1987, en décembre, que commencent les premières grandes manifestations étudiantes chinoises qui réclament ni plus ni moins que deux choses, la liberté et la démocratie. C'est quand même pas rien dans ce type de régime. Et l'impact de ce type d'agitation de rue est immédiat et remonte au sommet de l'appareil communiste. Et dès janvier 1987, Hu Yaobang lui prône une attitude de dialogue. Il sait que ce sont les enfants du régime lui-même, ce sont les fils de cadre, les étudiants qui sont dans la rue. Et il adopte une attitude relativement conciliatrice pour ce qui est du traitement de ces manifestants. Ce qui lui vaut la vindicte de Deng Xiaoping lui-même et de la vieille garde. Et donc il est limogé en janvier 1987. Les étudiants chinois vont en faire le champion de la démocratie à la chinoise. Le 15 avril 1989, Hu Yaobang meurt d'une crise cardiaque. Lorsqu'en 89, il voit comment Deng Xiaoping est en train non pas de se préparer à ouvrir le pays, mais au contraire à réprimer, on raconte qu'il s'est mis dans une telle colère que ça l'a tué. Le jour même, spontanément, des centaines d'étudiants viennent déposer des fleurs en son hommage sur la place Tiananmen. Le lendemain, mais dans tout le pays cette fois-ci, des manifestations d'étudiants s'organisent, réclamant sa réhabilitation et l'organisation d'obsèques nationales grandioses en son honneur. Le 17 avril 1989, 2000 étudiants se rassemblent et manifestent sans autorisation. Toutes les universités en Chine étaient en grève. Donc même mon université qui était privée, américaine, mais dans un accord avec les universités chinoises, était en grève aussi. Donc au début de ce mouvement, c'était comme la manif en France. Tout le monde était dans la rue. Il y avait beaucoup d'activités, de chansons, de discussions politiques. C'était très intéressant. C'était exactement comme 68. Le 19 avril 1989, à Pékin toujours, les étudiants se regroupent et organisent une manifestation devant le siège du PC chinois. Ils sont violemment dispersés par les forces de police.
Ils se replient alors dans le calme vers la place Tiananmen, qu'ils occupent à nouveau sans autorisation officielle. C'est la place centrale où se concentrent les lieux symboliques du pouvoir. Tonanghae, là où siège le gouvernement, l'Assemblée nationale populaire en face, le musée national, et puis le mausolée de Mao Zedong. Donc c'est symboliquement le centre de la ville, le centre du pouvoir. À l'époque, j'étais à l'Institut des sports de la municipalité, et quand j'ai vu les étudiants se rassembler sur la place Tiananmen, je les ai rejoints pour servir d'agents de sécurité. Tout ce que nous souhaitions à l'époque, c'était de voir une amélioration dans les structures de notre gouvernement et améliorer les conditions de la Chine. Il ne nous était pas entré dans l'esprit de renverser le gouvernement. Et même des hauts personnages de l'appareil officiel, des membres du parti, des généraux, ont manifesté leur compréhension à notre égard. Ils n'étaient pas négatifs dès le départ. Ces manifestations successives, soutenues de plus en plus par une population qui se sent concernée, sont un désaveu flagrant pour le régime communiste chinois. Le 21 avril 1989, une cinquantaine d'intellectuels connus et renommés envoient une lettre ouverte au gouvernement chinois, sollicitant une séparation entre les organes du parti et ceux de l'État. La police, en retour, exige de l'organisation étudiante la liste des meneurs. Celle-ci refuse. L'intellectuel est une sorte de maillon d'intermédiaire entre la société et le pouvoir et a un double rôle, à la fois de porte-parole de la société. Son rôle est de mettre à jour un certain nombre de problèmes sociaux, politiques, de représenter le peuple, de représenter les sans-voix auprès du pouvoir, et en même temps de conseiller ce pouvoir, de conseiller du prince. Donc il peut avoir aussi un rôle de remontrance important, un rôle de critique important, mais rarement en Chine, en tout cas, de remise en cause du pouvoir direct. Le 22 avril 1989, lors des funérailles de Hu Yaobang, 200 000 étudiants défilent à Pékin en hommage au vieux leader réformiste. Une gigantesque banderole est déployée sur l'obélisque du monument aux martyrs chinois au centre de la place Tiananmen. On peut y lire « N'oubliez jamais le camarade Hu Yaobang, l'âme de la Chine ». Le soir, des centaines de jeunes organisent un sit-in devant l'Assemblée nationale en demandant que les salaires des dirigeants du régime soient rendus publics et qu'un dialogue soit mis en place avec les étudiants. 1989, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une époque où il y avait énormément de contrats, d'installations de sociétés étrangères, d'usines, avec justement des joint ventures qui étaient signés, et la Chine devenait assez à la mode au niveau économique. Et donc je pense le fait qu'il y ait pas mal d'étrangers, individuellement, les gens aussi revendiquaient d'avoir plus de liberté d'expression, de mouvement, de droit. Le 25 avril 1989, rejetant les appels des instances syndicales étudiantes officielles, soupçonnées d'être inféodées au pouvoir en place, les étudiants créent leur propre organisation syndicale autonome pour les représenter. Le PC chinois dénonce immédiatement cette procédure comme un complot contre le Parti communiste et le système socialiste. Durant une réunion entre Deng Xiaoping et Li Peng, ce dernier prêche longuement pour une solution énergique et pour une intervention militaire. Il convainc Deng Xiaoping de publier le lendemain un communiqué dans le quotidien du peuple, le fameux éditorial du 26 avril. Dans cet article, Deng Xiaoping qualifie les rassemblements de troubles et impute leur origine à une petite poignée de mauvais éléments qui manipulent les étudiants. Si vous êtes qualifié d'émeutier, vous pouvez tout à fait être envoyé en prison pour 10, 15, 20 ans. Ça suffit. Cette qualification est dramatique. Donc cet éditorial du 26 avril 1989 provoque le durcissement du mouvement. Les étudiants prennent ça comme une douche froide, se disent « mais on n'est pas du tout des émeutiers, nous ce qu'on veut c'est engager un dialogue, discuter ». Bon bref, ils étaient déjà très un peu occidentalisés si vous voulez. Et là, il y a un conflit au sommet. Les dirigeants se demandent « qu'est-ce qu'on fait ?»
Les premières mesures répressives sont prises dans la foulée. Devant les rumeurs d'arrestations imminentes, les leaders étudiants Vuer Kaishi et Wang Dan entrent dans une semi-clandestinité et n'apparaissent plus en public. Le mouvement s'intensifie et se développe rapidement. Il culmine lors des grandes manifestations du 4 mai 1989 qui verront fleurir des slogans demandant des réformes, la fin de la corruption et l'annulation des privilèges des cadres du PCC. Ça fait référence au 4 mai 1919, c'est-à-dire la première fois que les étudiants chinois sont descendus dans la rue à l'époque. C'était pour protester contre le traité de Versailles, dont une des clauses était très négative pour la Chine. Et c'est la première affirmation de caractère un peu nationaliste des Chinois dans le XXe siècle. Ce jour-là, des centaines de milliers de personnes défilent dans le calme, non seulement à Pékin, mais aussi dans la plupart des grandes villes du pays, malgré l'interdiction officielle. À Pékin, plus de 400 journalistes participent à la manifestation en réclamant la liberté de la presse. Le mouvement fait tache d'huile et prend une dimension nationale. Au soir du 4 mai 1989, Zhao Ziyang fait un discours dans lequel il accepte d'entamer des négociations, mais sans en préciser la teneur. Il appelle simplement à faire preuve de calme, de retenue et de raison, et souhaite l'ouverture de consultations étendues. Le 5 mai 1989, Li Peng reçoit les responsables de 8 grandes universités, mais c'est pour leur préciser que le discours de Zhao Ziyang n'engage que lui et qu'en revanche, l'éditorial du 26 avril 1989 reflète l'opinion du comité central du parti. Li Peng déclare que si les étudiants se dispersent immédiatement, il n'y aura pas de suite. Le mouvement étudiant rejette alors cette proposition et continue son action. Le 13 mai 1989, environ 2000 étudiants commencent une grève de la faim illimitée sur la place Tiananmen. Ils sont rejoints rapidement par un millier de personnes supplémentaires. Et c'est à cause de cet éditorial du quotidien du peuple que les leaders Wang Dan, Chai Ling, Wei Kachi ont décidé de lancer ce mouvement de grève de la faim pour que le gouvernement fasse marche arrière et retire cette qualification d'émeutier. Donc au départ, nous étions quelques centaines à faire la grève de la faim. Mais rapidement, ce sont quelques milliers d'étudiants qui nous ont rejoints sur la place. Une grève de la faim en Chine, ça s'était jamais vu. Il faut comprendre que dans un pays quand même qui a eu 35 millions de morts de famine, dans les années 60, ne pas manger en Chine, s'interdire de manger pour défendre une cause, ça a eu un effet absolument extraordinaire sur la population et qui est immédiatement venu entourer les étudiants, les aider avec un balai d'ambulance un peu surdimensionné. La presse internationale, présente à Pékin dans l'attente de l'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev, couvre l'événement et lui donne un retentissement mondial. Le 15 mai 1989, Mikhaïl Gorbatchev, très attendu, arrive enfin à Pékin en visite officielle. Le but affiché de ce voyage est de renouer les liens entre les deux grandes puissances communistes de la planète. De plus, Mikhaïl Gorbatchev cherche à engager la Chine sur le chemin d'une plus grande libéralisation, conforme à sa glasnost, sa politique de détente. Des banderoles, en russe et en chinois, sont brandies devant le palais du peuple à Pékin. Elles proclament « Bienvenue au véritable réformateur Mikhaïl Gorbatchev » ou encore « La démocratie est notre idéal commun ». Ça faisait quand même depuis 1956-57 que les dirigeants soviétiques et chinois n'échangeaient plus de visites officielles. Donc, pour Deng Xiaoping, on était dans du géopolitique à très grande échelle, et pour les jeunes Chinois, on était dans la vie quotidienne quelqu'un qui allait nous apporter de l'air frais. Donc, la vision des deux, de la base et du sommet, était totalement antinomique, et ça s'est traduit par le fait que Deng Xiaoping souhaitait recevoir Gorbatchev en grande pompe, c'est-à-dire en l'accueillant sur la place Tiananmen, et la présence des manifestants sur la place Tiananmen a obligé Gorbatchev à entrer par une petite porte de derrière pour accéder au lieu de résidence des dirigeants chinois. Et ça, ça a été une gifle que Deng Xiaoping n'a pas pardonnée aux manifestants. C'est quelques jours plus tard que le sort des étudiants et du secrétaire général réformiste sera scellé, et il faudra près d'un mois
pour rassembler les troupes et pour convaincre leurs responsables. Vous savez, c'est comme en mai 68 chez nous, il y avait les fils de généraux sur la place Tiananmen. Des tensions internes apparaissent au sein de la direction du PC chinois, entre les partisans d'un dialogue avec le mouvement étudiant et les conservateurs, prenant une ligne de conduite ferme et énergique pour mater la révolte étudiante. Ils étaient partagés entre ne faire aucune concession, et c'était la position de Deng Xiaoping, hein, se disant si on fait des concessions, c'est la bobine de fil qui va être déroulée, on ne pourra plus rien contrôler. Et en même temps en faire quelques-unes pour donner un certain gage aux étudiants afin qu'ils quittent la place. Plusieurs centaines de milliers de personnes manifestent chaque jour à Pékin. La population pékinoise a pris fait et cause pour le mouvement étudiant. Et partout dans le pays, les troubles continuent. Le 18 mai 1989, ils sont plus d'un million à manifester pour réclamer la mise à la retraite de Deng Xiaoping et la démission du Premier ministre Li Peng, jugé trop conservateur et opposé aux réformes réclamées. Au soir du 18 mai 1989, Zhao Ziyang se déplace en personne pour rencontrer les étudiants et les grévistes de la faim. Son discours tente de calmer les esprits, mais sans conviction sur la suite. Il dira: vous nous critiquez et c'est légitime, mais nous arrivons trop tard. Cet aveu d'impuissance sonne comme le glas des espoirs étudiants. Devant l'ampleur des troubles et malgré sa dernière tentative de régler pacifiquement le conflit de la part de Zhao Ziyang, la loi martiale est décrétée par Li Peng le 19 mai 1989. Le lendemain, les troupes de la 38e armée chinoise, chargées de la défense de Pékin, prennent position autour de la capitale. Le filet se resserre malgré des barrages hâtivement dressés aux portes de la ville par les étudiants. Au moment où le gouvernement a décidé de lancer la répression avec les tanks, nous, équipe de sécurité, avons décidé de mettre en place un cordon de sécurité pour empêcher les tanks et les mitraillettes d'approcher. Le 25 mai 1989, Zhao Ziyang est mis en minorité, démis de ses fonctions et placé en résidence surveillée. Li Peng, partisan de la reprise en main énergique du pays, triomphe. Il va pouvoir appliquer sa politique de fermeté en toute tranquillité. Pour légitimer son action, Li Peng fait enregistrer les provocations étudiantes et fait courir la rumeur que des émeutiers ont fait usage d'armes à feu contre les forces de l'ordre. Les soldats, qui jusque-là se laissaient arrêter docilement par les manifestants, reçoivent l'ordre de riposter. Dans un dernier geste de paix, le 30 mai 1989, les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts érigent sur la place Tiananmen une réplique en polystyrène de la Statue de la Liberté, qu'ils baptisent la déesse de la démocratie. Ce geste hautement symbolique n'est pourtant pas pris en compte par les autorités. L'armée chinoise fait alors son entrée dans Pékin le 3 juin 1989. Elle prend position, sans encore engager le combat, à tous les points stratégiques de la ville et déploie un important dispositif blindé sur la place Tiananmen. Peu après minuit, le 4 juin 1989, la situation bascule. Les hommes du 27e corps d'armée chinois ouvrent le feu sur les manifestants. Utilisant les chars, des grenades et leurs armes automatiques, les soldats ont repoussé les manifestants qui tentaient de s'opposer à eux, armés de simples bâtons. Moi, je voulais protéger mes camarades, donc je me suis avancé sur la place. Et j'ai vu s'approcher les soldats, il y avait un représentant de l'armée à une dizaine de mètres de moi et je lui ai dit « Vous n'allez quand même pas nous tirer dessus ?» La répression avait déjà commencé, donc il y avait déjà des morts et des blessés autour de nous. Je lui ai dit « Ne tirez pas sur eux, sur mes camarades qui sont derrière moi. Arrêtez !» Moi aussi, je suis fils de soldat. Mon père a fait l'armée. Vous êtes l'armée du peuple et l'armée du peuple ne peut pas tirer sur le peuple. C'est impensable. J'ai ajouté également que nous étions désarmés. Et donc, il a utilisé son revolver, il a tiré vers moi. Il a tiré 3 coups. Et l'un de ces coups m'a atteint à la cuisse. Après plusieurs affrontements avec les étudiants, l'armée chinoise étouffe la révolte étudiante sous les chenilles de ses chars, en faisant environ 2000 morts. La place Tiananmen est alors totalement évacuée. En province aussi, la répression sévit.
Une scène incroyable va alors se dérouler sur la place. Cette scène est devenue le symbole du printemps de Pékin. Le plus étonnant, c'est aussi la décision de l'officier du char de... J'ai pensé absolument qu'il allait se faire écraser. Il faut voir que cette image a été tournée le 5 juin, c'est-à-dire pas durant les pires moments de la répression. Le 5 juin, l'armée montre son pouvoir à l'ensemble de la population en disant « Voilà, nous avons écrasé la répression, maintenant que plus personne ne bouge. » Donc on n'est plus dans la violence. On est simplement dans l'intimidation. Donc là, on est en plein jour, il y a un homme seul qui marche encore. L'écraser n'avait pas grand sens. On n'est plus dans la nuit du 3 ou 4 où là, les chars ont, vers 3-4 heures du matin, écrasé des dizaines de gens, sans scrupule et sans se dérouter. Après cette journée incroyable, le présentateur de Radio Pékin révèle en direct que des centaines de personnes ont été tuées et que l'armée a tiré au hasard à l'arme lourde sur les manifestants désarmés. Immédiatement limogé, le speaker est aussitôt remplacé. Un communiqué est diffusé dans les heures suivantes, proclamant que le gouvernement a maté l'émeute contre-révolutionnaire. Le mouvement étudiant est totalement anéanti. Les meneurs étudiants recherchés et arrêtés. La censure va frapper tous les journaux ayant pris fait et cause pour le mouvement étudiant. L'atmosphère après est terrible. C'est donc sous la loi martiale. La télévision est contrôlée directement par les autorités militaires et policières. Les programmes de la télévision sont bien sûr totalement chamboulés. Et donc les autorités passent en boucle les images d'arrestations, de manifestants avec les visages tuméfiés entre des soldats casqués. Il y a une volonté d'afficher vraiment la violence de l'État qui est tout à fait manifeste et qui se prolonge pendant des semaines et des mois. La ligne dure du Parti communiste chinois triomphe. Les réformes envisagées, pourtant indispensables, sont définitivement abandonnées. C'est la fin d'un fol espoir de démocratie à la chinoise. La conséquence positive de notre point de vue, c'est que le Parti communiste chinois, à ce moment-là, a détruit l'illusion que le gouvernement chinois était comme des pères et mères de la population. Et le peuple chinois a compris que c'était une clique militaire et répressive qui était au pouvoir.
Aujourd'hui, nous savons à quoi nous en tenir. Dès le 10 juin 1989, une grande vague d'arrestations intervient partout en Chine. La délation est vivement encouragée et même récompensée. Procès sommaires et arrestations de masse se poursuivent pendant plusieurs semaines. Environ 100 000 personnes vont être ainsi appréhendées. Quelques dizaines de personnes qualifiées de contre-révolutionnaires sont exécutées quasiment sans jugement. Le printemps de Pékin est mort brutalement, noyé sous la répression communiste. Le message envoyé à la population chinoise a été très clair. Vous avez le droit de faire de l'argent, vous avez le droit de faire de l'économique. La politique, c'est notre domaine. Et c'est pour ça que, à ce jour, le mouvement d'opposition démocratique chinois, on peut dire qu'il n'existe quasiment pas. Deng Xiaoping est né le 22 août 1904. Issu d'une famille de grands propriétaires fonciers, il fait des études à l'école préparatoire de Chongqing. En 1920, il part pour un voyage d'études en France. Suite à la faillite de la fondation qui finançait son voyage et forcé d'assurer sa subsistance, il travaille au laminoir du Creusot, puis comme ouvrier dans les usines Renault à Billancourt. C'est là qu'il s'initie aux théories marxistes, encore inconnues en Chine. Très tôt, il devient communiste et professe un fervent anticapitalisme. À Paris, il devient l'ami de Chou Enlai et adhère en 1924 au Parti communiste chinois. Il part ensuite étudier à Moscou et rentre en Chine en 1927. En 1929, après l'échec d'une révolte contre les nationalistes du Kuomintang, il rejoint le Soviet dirigé par Mao et participe à la Longue Marche dans les années 1934-1935. Il lutte ensuite contre les Japonais, puis à partir de 1945, le combat reprend contre les nationalistes de Chiang Kai-shek. Après la création de la République populaire de Chine, fin 1949, il exerce des fonctions de plus en plus importantes au sein du parti. Cependant, l'échec économique du grand bond en avant le conduit à s'écarter de plus en plus de Mao. Il est exclu du parti. Après plusieurs années de traversée du désert, il revient sur le devant de la scène à la mort de Mao en 1976. Il devient secrétaire général du PCC, autrement dit le numéro 1 du pays. Il souhaite engager la Chine dans un processus de développement économique, mais en restant toutefois indépendant idéologiquement des perversions du capitalisme et surtout en refusant l'ouverture politique. Sa volonté de préserver à tout prix un socialisme à la chinoise est ce qui le poussera à accepter de lancer la répression du printemps de Pékin en 1989. Il meurt le 19 février 1997. Li Peng est né en octobre 1928 dans la province du Sichuan. Orphelin à l'âge de 3 ans, après l'exécution de son père par les troupes du Kuomintang, il est adopté par Chou Enlai. À 17 ans, en 1945, il rejoint les rangs du Parti communiste chinois. En 1948, il est envoyé à Moscou pour poursuivre ses études. En 1955, il rentre en Chine et occupe pendant une dizaine d'années plusieurs fonctions importantes dans l'industrie et dans l'appareil du parti. Il commence à exercer des fonctions ministérielles à partir de 1979. Il est nommé au Politburo en 1982, puis au secrétariat du parti en 1985. En 1987, il devient vice-premier ministre. Après la démission de Hu Yaobang en janvier 1987, Zhao Ziyang devient secrétaire général du parti et Li Peng est nommé premier ministre en avril 1988. Il initie alors une politique prudente de réformes économiques. La mort brutale de Hu Yaobang en avril 1989 déclenche les événements du printemps de Pékin. Il craint que les troubles n'engendrent un coup d'État. Li Peng écarte alors Zhao Ziyang et donne l'ordre de réprimer par la force le mouvement étudiant. Son rôle d'initiateur de la répression brutale du printemps de Pékin, allié à son manque de charisme et à son autoritarisme, ont fait de Li Peng l'un des politiciens chinois les plus impopulaires du XXe siècle. Néanmoins, durant ses différents mandats, il a su maîtriser une situation économique difficile, tout en gérant une croissance record de près de 10% par an. Il a tracé la voie qui a mené la Chine vers l'ouverture à une économie de marché de type capitaliste. Hu Yaobang est né le 20 novembre 1915.
En 1929, il part de chez lui et rejoint le PCC, dont il devient membre officiel en 1933. En 1934, il participe aux côtés de Mao et de Deng Xiaoping à la Longue Marche. Il progresse régulièrement au sein du parti et s'occupe plus particulièrement des jeunesses communistes chinoises. Il devient très populaire à la fin des années 70 en s'occupant de la réhabilitation des victimes de la Révolution culturelle. En 1980, il est élu secrétaire général du parti. Il est destitué brutalement de son poste en 1987 pour avoir soutenu la contestation étudiante de l'époque et pour ses sympathies pour l'intelligentsia libérale chinoise. Le 8 avril 1989, il est victime d'une crise cardiaque en pleine réunion du bureau politique, alors qu'il affronte violemment le clan des conservateurs sur la politique de réforme à mener pour le bien du pays. Le 15 avril 1989, il meurt d'un infarctus à l'âge de 73 ans. Le jour même, des centaines de Dazibaos, les journaux muraux chinois, sont placardés. Il pleure la disparition d'un démocrate et réclame sa réhabilitation politique. Sa mort est le principal fait déclencheur du printemps de Pékin. Très peu d'informations sont disponibles concernant les leaders du mouvement étudiant de la place Tiananmen. Le plus connu de tous est certainement Wer Kai-chi, un jeune étudiant d'origine ouïghour. Le 28 avril 1989, il est élu président de la nouvelle association autonome des étudiants de Pékin qui remplace la coordination provisoire des universités de Pékin. Li Lu est l'un des principaux organisateurs du mouvement du printemps de Pékin. Wang Dan est un jeune leader étudiant. Il est élu membre du comité permanent étudiant le 28 avril 1989. Tous ces leaders sont aujourd'hui éparpillés à travers le monde. Wang Dan a obtenu sa thèse aux États-Unis et maintenant il est professeur à Taïwan. Wer Kai-chi, lui aussi, s'est établi à Taïwan où il y a épousé une Taïwanaise. À l'époque, il était étudiant à l'école normale de Pékin. Aujourd'hui, il est producteur de films. Chai Li, elle, s'est installée aux États-Unis. Elle y a suivi des études brillantes. Elle s'est ensuite orientée vers les technologies d'informatique. Elle a contribué à l'élaboration de logiciels pédagogiques et elle a très bien réussi. Et durant ces 5 dernières années, elle a versé des sommes très importantes pour soutenir le mouvement démocratique en Chine. Dès la fin du printemps de Pékin, les autorités chinoises imposent un blackout complet sur les événements. La censure frappe tout le pays et les médias chinois qui s'étaient prononcés en faveur des étudiants sont remis au pas et forcés de désavouer le mouvement contestataire. Dans tous ces régimes-là, l'histoire de son propre pays est d'abord une gigantesque manipulation et est strictement entre les mains des autorités. C'est-à-dire que l'information sur ce qui s'est passé dans son pays, soit c'est la rumeur de bouche à oreille avec tout ce que ça comporte d'imprécision, d'exagération ou de sous-estimation éventuellement, mais il n'est pas question qu'il y ait une émission à la télévision ou des choses qui informent les générations ou les gens qui étaient très jeunes, trop jeunes à cette époque-là, qu'ils sachent ce qui s'est passé. Le pouvoir en place affirme d'ailleurs qu'aucun étudiant n'a trouvé la mort sur la place Tiananmen. De plus, à l'intérieur du pays, les événements du printemps de Pékin sont totalement occultés par l'histoire officielle. Aucun ouvrage sur le sujet n'est autorisé en Chine, et même les sites web sont étroitement surveillés et ne peuvent mentionner le sujet sous peine de fermeture. Aujourd'hui, nous jouons la comédie avec le pouvoir. Le pouvoir fait tout pour qu'on nous oublie. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour ne pas être oubliés. Aucune information sérieuse n'est disponible officiellement sur le nombre de victimes réellement occasionnées par le printemps de Pékin. D'après les estimations officielles divulguées récemment, le chiffre annoncé est de 700 morts environ. Mais nous, les étudiants, et d'après les enquêtes que nous avons menées de notre côté, nous estimons qu'il a dû mourir plus de 2000 personnes au moins.
Et quant aux blessés, certainement plus de 10 000. Et parmi les blessés et les morts, la grande majorité sont des Pékinois. Tous les Chinois qui ont plus de 40 ans savent que leur gouvernement est capable de ce genre de mouvement. Ils l'ont enfoui, cette image-là. On n'en parle plus, mais elle est là. Le mois de juin est le mois de la reprise en main de la population par les autorités. En quelques semaines, on estime que des dizaines de milliers de personnes ont fait l'objet d'arrestations ou de poursuites. Des commissions d'enquête sont créées et des procès sommaires sont rapidement organisés. Le 15 juin 1989, les premières condamnations à mort sont prononcées contre les acteurs du printemps de Pékin. Le 20 juin 1989, trois ouvriers sont exécutés officiellement sur ordre du gouvernement chinois pour avoir participé au mouvement. La fin du printemps de Pékin et la répression qui a suivi ont des conséquences immédiates sur la politique intérieure chinoise. Les quelques dirigeants ayant manifesté de la sympathie pour les thèses du mouvement étudiant sont limogés, écartés du pouvoir et assignés à résidence surveillée. Aujourd'hui encore, si vous essayez de commémorer la mémoire de ceux qui sont morts durant cette nuit-là, en disant qu'ils sont morts pour la patrie et non pas contre la patrie, vous allez en prison. Avant 89, les Chinois font confiance dans leur gouvernement. Ils le critiquent, ils l'aiment, ils ne l'aiment pas, mais enfin, grosso modo, ils lui font confiance. Et je crois que la meilleure image qu'on puisse prendre, que les Chinois ont beaucoup prise, c'est celle d'un enfant qui verrait tout d'un coup ses parents sortir un revolver contre lui. La thèse officielle parlant d'éléments subversifs et incontrôlés pour la plupart des chômeurs mécontents et des criminels qui ont attaqué les soldats venus remettre de l'ordre est la seule qui existe. La condamnation à l'étranger de la répression du printemps de Pékin est quasi unanime. Seule la République démocratique allemande et Cuba approuvent l'action du gouvernement chinois. Les autres pays du bloc de l'Est préfèrent garder un silence prudent. La communauté internationale va émettre des protestations. La France gèlera ses relations diplomatiques avec la Chine, mais rien de concret ne sera vraiment fait. Quelques mesures de rétorsion sont prises, dont principalement un embargo de l'ONU et de l'Union européenne sur les ventes d'armes à la Chine. Mais cela ne va pas beaucoup plus loin. Le gouvernement chinois a compris que les pays occidentaux ne prendront pas de sanctions trop sévères, à condition que le marché chinois, véritable Eldorado économique, reste ouvert. Deng Xiaoping a mis tous ses efforts dans sauver d'une part les réformes économiques, puisqu'elles étaient aussi complètement remises en cause par les conservateurs après le mouvement, et puis refonder la légitimité du parti sur justement le développement économique de la Chine, l'amélioration des conditions de vie de la population. Même après Tiananmen, donc 2 ans après, je crois, il a confirmé cette politique d'ouverture et permis donc au régime de continuer à construire cette puissance économique sur laquelle elle assoit son poids politique international, quoi. À peine 3 mois après la fin du printemps de Pékin, le 10 septembre 1989, la Hongrie est le premier pays du bloc socialiste à ouvrir officiellement ses frontières, créant ainsi la première brèche depuis 1961 dans le rideau de fer. Le 10 novembre 1989, dans un immense mouvement populaire, la population berlinoise prend d'assaut le mur de Berlin. Les sinistres Vaupaux, célèbres gardiens du mur, complètement dépassés par l'ampleur de l'événement, laissent faire. Le mur de la honte est tombé. Cette nuit-là, le monde a changé. On peut imaginer, sans affirmer, que les dirigeants de l'Allemagne de l'Est à l'époque ou de l'Union soviétique au même moment ont été horrifiés par le massacre qui s'était produit en Chine et qu'ils se sont dit en eux-mêmes « nous n'allons pas tirer sur les manifestants ». Donc on n'a pas tiré sur les Berlinois qui ont décidé de passer le mur et qui du coup ont provoqué l'écroulement du mur de Berlin quelques 6 mois après le massacre de Tiananmen. Et de même, les soviétiques ont décidé de ne pas lancer les tanks à nouveau, comme ils l'avaient fait en 1956 à Budapest, en 1968 à Prague. Cette fois-ci, cet épisode-là ne devait pas se reproduire.
La Chine, État souverain depuis plus de 20 siècles, devient une république indépendante en 1912. Pendant l'entre-deux-guerres, nationalistes et communistes s'affrontent pour prendre le pouvoir. Le 1er octobre 1949, les communistes ont gagné. La République populaire de Chine est proclamée. Mao Tse-tung en devient le premier président. Pendant 25 ans, il gouverne la Chine. La mort de Mao Tse-tung génère une période d'anarchie qui ne prend fin qu'en 1977, avec le retour au pouvoir de Deng Xiaoping. La ligne dure du parti, très conservatrice, représentée par le premier ministre Li Peng, s'oppose alors à Deng Xiaoping et à Zhao Ziyang dans toutes leurs tentatives de démocratisation du pays. Le 15 avril 1989, Hu Yaobang, fervent partisan de réformes de démocratisation, meurt d'une crise cardiaque. Les étudiants chinois vont en faire le champion de la démocratie à la chinoise. Le lendemain, des manifestations spontanées d'étudiants s'organisent sur la place Tiananmen, réclamant sa réhabilitation et l'organisation d'obsèques nationales grandioses en son honneur. Du 16 au 21 avril 1989, des manifestations successives de masse sont organisées. Le 22 avril 1989, lors des funérailles de Hu Yaobang, 200 000 étudiants défilent à Pékin en hommage au vieux leader réformiste. Le mouvement s'intensifie et culmine lors des grandes manifestations du 4 mai 1989 qui verront fleurir des slogans demandant des réformes et la fin de la corruption. Le mouvement fait alors tache d'huile et prend une dimension nationale. Le 13 mai 1989, environ 2000 manifestants commencent une grève de la faim illimitée sur la place Tiananmen. Le 15 mai 1989, Mikhaïl Gorbatchev, très attendu, arrive enfin à Pékin en visite officielle. Profitant de la forte couverture médiatique de l'événement, les organisations étudiantes font connaître au monde entier leurs revendications. Trois jours plus tard, le 18 mai 1989, plus d'un million de personnes manifestent sur la place Tiananmen pour réclamer la mise à la retraite de Deng Xiaoping et la démission de Li Peng. Devant l'ampleur des troubles, la loi martiale est décrétée le 19 mai 1989. Le 20 mai 1989, les troupes de la 38e armée chinoise prennent position autour de la capitale. Le 25 mai 1989, Zhao Ziyang est démis de ses fonctions et placé en résidence surveillée. Li Peng, partisan de la reprise en main énergique du pays, triomphe. L'armée chinoise fait son entrée dans Pékin le 3 juin 1989. Le 4 juin 1989, la situation bascule. Les soldats chinois ouvrent le feu sur les manifestants. L'armée chinoise étouffe la révolte étudiante sous les chenilles de ses chars, faisant environ 2000 morts. Une scène incroyable va alors se dérouler sur la place Tiananmen. Un jeune étudiant debout, désarmé, fait face à une colonne de chars lourds chinois. Relayée par les télévisions et les journaux du monde entier, cette scène est devenue le symbole du printemps de Pékin. La ligne dure du Parti communiste chinois triomphe. Les réformes envisagées sont définitivement abandonnées. Le printemps de Pékin est mort brutalement, noyé sous la répression communiste. I have a dream. Power that pervades everything.